Je suis Pitcho Mbakonga et je suis, on va dire, un artiste issu des cultures urbaines. Et je suis plutôt spécialisé dans l'acting, musique, metteur en scène, cinéma, coach artistique aussi et plein d'autres choses. Kuziki Liza est une pièce qui est née de mon envie de mettre en avant le discours de Lumumba, le discours qu'il a fait le 30 juin 1960, date d'indépendance du Congo. Je partais de cette envie de le mettre en relief, de voir comment ce discours pouvait résonner aujourd'hui. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Pourquoi le speech de Lumumba est encore actuel? Déjà parce que c'est un speech qui est, c'est un speech pro-humain, c'est-à-dire qui défend l'indépendance d'un pays, mais surtout l'indépendance d'un peuple, de tout un peuple. Et je pense que chaque peuple de n'importe quel pays rêve d'avoir son indépendance. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Alors pour moi, le travail autour du discours de Lumumba, ce qui était important, c'était aussi de lui donner une autre forme. Cette envie de lui donner une autre forme, passait aussi par l'envie que ce discours puisse être universel. Donc l'universel, pour moi, passe plutôt par les gestes, les gestuels, la manière dont on bouge, la manière dont on s'exprime, la manière dont on marche. Il y a tellement de choses qu'on raconte à travers notre corps. Et de là, vu que le geste, le mouvement sont des signes, je suis parti sur le travail du langage des signes. Donc on a traduit tout le discours en langage des signes. Bah, derrière ce langage des signes, il y a aussi une danse. Donc comment travailler à la fois avec la danse, avec le langage des signes, avec le discours. Donc pour moi, c'était toute cette question-là qu'il fallait résoudre dans l'envie en fait de faire cette pièce Kuziki Liza. Le discours, c'est comme une orange. C'est-à-dire qu'une orange, elle existe comme ça, mais on peut la presser, on peut faire du jus, on peut faire de la marmelade, on peut faire plein d'autres choses. C'est quelque chose qui constamment se transforme et en fonction de nos identités, en fonction de nos parcours et aussi en fonction de ici et maintenant. Le mot Kuziki Liza veut dire se faire entendre. Et pour moi, c'était important d'utiliser un mot en swahili déjà pour retour aux sources, mais aussi le terme se faire entendre parce que c'est un discours qui pour moi n'a pas été entendu par l'Occident. Et c'était important de refaire entendre pour réellement poser aux gens la question de savoir est-ce que ce discours est si mauvais que ça? Est-ce que Lumumba méritait vraiment l'appellation de diable? Comme sous-titre de Kuziki Liza, j'ai rajouté Black History Matter parce que pour moi, mon ambition aussi, c'est de comprendre que autant, je veux dire, un Africain peut être inspiré, je sais pas moi, par un Shakespeare ou même par un Napoléon. Voilà, je pense que dans l'autre sens aussi, les gens peuvent aussi être inspirés par un Sankara, par un Lumumba, par un Myriam Makeba. Et c'est ça où parfois dans nos rapports scolaires, quand on va à l'école, on a l'impression que il n'y a aucun héros africain, il n'y a aucun héros noir. Et pour moi, c'est autant moi j'ai pu me reconnaître dans des héros occidentaux, je pense que il est possible de se reconnaître dans des héros africains, peu importe d'où on vient en fait finalement. Comment j'ai commencé dans le théâtre raconte aussi un peu comment je perçois le théâtre quelque part. Faut savoir que moi je n'ai pas suivi d'école, je n'ai pas suivi de cours. J'ai fait du rap et j'ai fait du slam aussi. Et en faisant du slam, on m'a proposé de jouer dans une pièce de théâtre.
Et c'était ma première expérience que j'ai vraiment aimée. Ça se passait à Bruxelles, à Schaerbeek, avec Rosa Gasquet pour une pièce qui s'appelait Bintou. Et suite à ça, pendant que j'étais en train de jouer, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Ouais, tiens, il y a un Peter Brook qui passe une audition pour son prochain spectacle et il cherche des gens. » Ils ont adoré ma prestation que j'ai faite. Et ils m'ont proposé de partir avec eux en tournée pour 3 ans. Et c'est là, en fait, que j'ai vraiment commencé à connaître le milieu du théâtre. Et puis, en revenant sur Bruxelles, j'ai eu la chance de travailler avec le KVS et surtout avec Ruud Gielens sur Bezetstadt. Bezetstadt était important pour moi parce que, de un, ça parlait de Bruxelles. De deux, parce que c'était aussi une des premières pièces de théâtre que je voyais qui est en lien très fort avec les arts urbains, parce qu'il y avait des danseurs, du beatbox, du rap, du slam, mais aussi du chant. Et pour moi, c'était un truc genre, waouh, c'est possible de faire du théâtre avec tous ces éléments-là. C'était aussi, je pense aussi que c'était une source d'inspiration très fort pour Kouzikiliza. Chaque jour, j'attends qu'il y ait une grande sécheresse dans le Missouri. Et chaque jour, je sais qu'à chaque 11 septembre, comme moi, leur ennemi sourit. Après ça, j'ai rejoint la nouvelle équipe du KVS et leur première production, c'était Malcolm X. Malcolm X, c'est aussi à travers le message, c'est aussi qu'est-ce qu'est Malcolm X aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qui s'est passé. Parce que pour moi, Malcolm X n'est pas lié que à l'islam, c'est lié à plein de choses, aux droits civiques, à la négritude, donc il y a plein de choses. Et quelque part, le fait d'avoir fait Malcolm X m'a permis aussi de me mettre en coproduction pour pouvoir produire Kouzikiliza. Dans ma carrière musicale, j'ai eu la chance de sortir plusieurs choses. Les deux gros moments pour moi dans mon domaine musical, c'était le premier album qui s'appelle Regarde Comment, qui montrait plusieurs styles de hip-hop qui pouvaient exister à ce moment-là. Et dans cet album, il y a deux titres qui me définissent vraiment très très fort, je pense. C'est le premier, Ma part du ghetto. C'est ma seule issue, ma seule solution. Si je me sors d'ici, ça sera ma seule esquisse. Et le deuxième, Le bras en l'air et le poing serré, qui est un texte qui raconte justement le colonialisme, en fait. Au fond, on sait que tout ce qu'ils font, ils font pour nous offenser. Que tout ce qu'ils veulent, c'est nous enfoncer. Ils nous haïssent juste parce qu'on est foncé. Nos frères trahissent juste parce qu'ils sont forcés. La question de me définir comme un acteur qui a fait de la musique ou un musicien qui est acteur est très intéressante pour moi parce que ça rejoint un peu toutes ces problématiques qu'on a maintenant sur les identités. Les identités. Pour moi, il n'y a pas une identité. Il y a des identités multiples. Il y a tellement d'éléments qui me définissent que je ne peux pas choisir. Choisir si je suis ça ou je suis ça ou je suis ça. Non, je suis tout ça. Trop en avance ou d'une autre planète. Qui sont mes héros? Oh là là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux passer de musicalement parlant du Chuck D, de Public Enemy, KRS-One, en passant par du Spike Lee, en passant par des acteurs comme Denzel Washington, en passant par des chanteuses comme Myriam Makeba, comme Angela Davis, comme Winnie Mandela, comme Mandela lui-même, comme Lumumba, comme Sankara. Voilà, et j'ai pas fini, quoi. Ma vie n'est pas terminée. Et je pense que même dans mes héros, il y a mes petits frères, il y a mes petits cousins, il y a certains de mes pères, certains de mes sœurs. Je pense que oui, quand j'utilise le terme héros, pour moi, ce sont des histoires, en fait, de gens qui se battent vraiment pour leur liberté, qui se battent vraiment pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils ont envie d'être. Je pense que ma mission dans l'art, c'est un peu la même chose que dans la vie, c'est j'aspire vraiment à être un pont et de continuer à être un pont tout le temps pour lier des gens, lier des histoires, lier des continents.